Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Easy Coiffure sur Fashion Africa TV. Et aujourd'hui, avec notre mannequin, on va apprendre à réaliser une coiffure parfaite pour aller en soirée. Pour réaliser cette coiffure, nous aurons besoin d'un paquet de mèches crépues, de colle pour cheveux et également de gel, mais aussi de pince à cheveux. Donc on va commencer maintenant. Je vais défaire ses cheveux pour commencer. Je vais les peigner un peu. Voilà, après avoir bien démêlé ses cheveux, je vais les diviser en trois sections en partant à chaque fois des côtés. Donc là, je vais commencer à tracer la deuxième section. Je vais attacher celle-là également et je vais commencer à mettre du gel pour traiter la section de l'arrière. Et je vais commencer à l'appliquer pour faire le chignon du derrière. Je vais prendre cette brosse là et je vais peigner les cheveux pour faire entrer le gel. Appliquer la colle pour fixer. Je vais brosser encore une dernière fois. Maintenant, je vais prendre à nouveau la colle pour bien fixer. Je vais faire des nattes au bout de chaque chignon. Et maintenant, avec des pinces à cheveux, je vais fixer le bout de chaque natte sur la racine de l'autre. Et pour la dernière, je vais la ramener vers le haut. Je vais prendre ma mèche. Je vais commencer par celle-là. Et je vais l'attacher ici au bout de la natte qui est en bas. Voilà. Je vais ramener la natte vers le haut. Je peux le relever. Et je vais fixer avec des pinces. Pour cette note-là, c'est bon. Je vais prendre la deuxième. Et elle, je vais venir la nouer sur la natte du devant. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire avec cette natte-là le tour de la tête.
les fixer avec des pinces au fur et à mesure. Je vais joindre à cette note directement la première. Je vais la faire passer en bas. Je vais fixer avec des pinces également. Et je vais fixer le bout avec des pinces. J'ai ajusté le devant au fur et à mesure. Non, je vais prendre la paire de ciseaux pour couper les bouts qui dépassent. On va réaliser des billes de ce côté. Et voilà le résultat final de notre coiffure. Pour réaliser cette coiffure, nous avons eu besoin d'un paquet de mèches, de colle pour cheveux et également de gel et aussi de quelques pinces à cheveux. On a réalisé un chignon avec trois différents niveaux et une frange sur le côté. J'espère que la vidéo vous aura plu. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.